Amen. Gloire à Dieu. Je crois que ce que tu vas entendre ce matin va aussi devenir une réalité dans ta vie. Amen. C'est pourquoi, bien qu'un peu fatigué, avec tout le respect que je vous dois, on va lire un texte biblique. Amen. Pour honorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas dans Genèse. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas dans Genèse. Je vais faire plaisir à Maman Chimène. Alléluia. Maman Chimène, je me souviens dans les 2000, elle posait toujours la question, pasteur, pourquoi tu ne parles pas du Nouveau Testament? Alléluia. Amen. Jésus était, il est et il sera. Amen. Donc, même dans l'Ancien Testament, il est là. Amen. Gloire à Dieu. Très rapidement, nous allons développer notre croissance spirituelle aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 4, du verset 38 au verset 39. Juste ça. Luc, chapitre 4, 38 à 39. Une bien-aimée ou un bien-aimé peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Luc, chapitre 4, les versets 38 au verset 39, nous disons au nom de Jésus. Amen. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils prièrent en sa faveur. Verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Ma Bible dit que en sortant de la synagogue, alléluia, Jésus s'est rendu à la maison de qui? De Simon. Avez-vous constaté quelque chose? En temps normal, la Bible devait nous dire, il s'est rendu à la maison de Pierre. Mais la Bible nous dit, il s'est rendu à la maison de Simon. Alléluia. Quand la Bible parle de Simon ici, on est en train de parler d'un disciple qui est déjà dans le corps de Christ, mais un disciple qui est instable. Amen. Simon, c'est l'instabilité. Amen. Et là, il n'était pas encore devenu Pierre. On parle de Simon. Et bien aimé, quand tu es instable, je m'en vais te dire que beaucoup de choses dans ta maison seront aussi instables. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui, beaucoup sont des serviteurs qui suivent Jésus-Christ, mais qui sont instables. Oh, bien aimé, vous allez convenir avec moi qu'une personne qui est instable ne peut pas sérieusement servir le Seigneur. Amen. L'une raison fondamentale qui fait que nous ne puissions pas servir Dieu bien comme il faut, c'est parce que certaines choses dans nos vies ne sont pas stables. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas mauvais. Ne soyons pas trop spirituels. Même la Bible elle-même dit, qui d'entre vous veut aller par-ci, veut se marier, veut faire ceci, cela, mais va pas d'abord arranger sa propre maison. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, tu ne peux pas t'engager si tu n'es pas encore stable. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un ancien ou un diacre doit être marié à une seule femme. Pourquoi Dieu précise cela? Dieu veut que tu sois stable. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ne soyons pas... Écoutez, ne soyons pas trop spirituels. Je m'en vais vous dire que
C'est la volonté de Dieu que nous soyons des hommes stables. La Bible dit, je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Si nous ne sommes pas stables, nous aurons du mal à servir Dieu. Or, la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, ton instabilité peut donner aussi des choses instables aux hommes. Alléluia. Et là, la Bible dit qu'il s'est rendu à la maison de Simon. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé parce que souvenez-vous que plus tard, Jésus-Christ va prophétiser sur Simon en lui disant que tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Or, c'est Pierre qui avait la clé de l'église. Donc, il veut que les choses soient d'abord stables dans la vie de Pierre, d'où il va se rendre dans sa maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que celui qui sera leader dans deux matins de l'église, celui qui sera marié dans deux matins au foyer, soit une personne instable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comme nous aimons bien le dire, Dieu ne donne pas la vision sauf pour te donner la provision. Il veut d'abord, c'est pas pour rien qu'avant même de créer Adam, il crée d'abord la nature. Pourquoi? Parce que la nature est une source de réussite pour l'avenir de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible nous dit qu'il s'est rendu dans la maison de qui? De Simon. Et bien aimé, arrivé à la maison de Simon, c'est là le problème commence. La Bible dit qu'il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon, preuve que Simon était marié. Voyez-vous, la religion, permettez-moi l'expression catholique, nous a tellement trop rendu des saints, mais des faux saints. La religion, moi j'étais au séminaire, hein, vous savez, j'ai failli être prêtre dans ma vie. Amen. Mais laissez-moi vous dire que durant mon... il y a dimanche passé encore, j'ai présenté à maman Inès le frère, l'homme, en fait, qui m'a enseigné au catéchisme et qui était mon responsable des enfants de cœur. Amen. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui me suit. Amen. L'élève d'hier peut être le leader d'aujourd'hui. Amen. Bref, on nous a donné l'image que Marie n'avait plus d'autres enfants, alors que c'est écrit en noir et blanc. On nous a donné l'image que tous les disciples n'avaient pas de femmes et tout ça. Marie dit que Pierre, Jésus s'est rendu chez la belle-mère. Alléluia. La belle-mère de Pierre. Parce que Simon, fais attention. Tu veux me servir. Quand tu vas prêcher l'évangile, les premières personnes qui doivent d'abord venir à Christ, c'est d'abord ta propre famille, car Josué a dit, moi et quoi? Ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il faut que dans ta maison, qu'il y ait... Et vous savez, en ce temps-là, vous allez convenir avec moi que les frères, le mari pouvait vivre avec encore sa mère à la maison, avec la femme, avec sa femme à la maison. Donc, c'est sûr et certain que Pierre vivait ensemble avec sa femme et la mère de sa femme. Il n'y a pas de mal à cela. Nous le voyons, c'est très fréquent chez nous en Afrique. Alléluia. Il n'y a pas de mal. Au contraire, moi, ça m'arrangerait. Moi, j'aimerais bien vivre avec mes gens dans la maison. J'aimerais bien. Toi aussi, gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mal à cela. Alléluia. Mais, voyez-vous, Pierre, quel est l'évangile que tu veux donner? Quand tu vas prêcher l'évangile, des gens ne vont pas te croire parce que chez toi-même, il y a la maladie là-bas. Alors, Jésus, pour enlever toutes ces choses, il s'est rendu. Bien-aimé, ce matin, je prie que Jésus se rend directement et droit chez toi pour te stabiliser. Alléluia. Et Simon, tu es tellement trop agité et tout. Et regardez, bien-aimé, regardez. Alléluia. Et regardez ce que Jésus-Christ va venir trouver chez Simon. La Bible dit, chez la belle-mère de Simon, la Bible dit, il s'est rangé chez la belle-mère de Simon qui avait une quoi? Violente
fièvre. Amen. Et ils le prièrent en sa faveur. Alléluia. Et il s'est rendu chez la belle-mère, qui avait une violente fièvre. Amen. Amen. Et là, je vais rentrer, comme on dit chez nous, dans la mer du sujet. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit que la belle-mère avait une violente fièvre. Et nous avons lu le texte. La Bible dit que Jésus menaça la fièvre et la fièvre quitta. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train peut-être de prendre des choses à la légère, mais j'ai envie de te dire que la fièvre, c'est ce qui est en train de tuer et de neutraliser l'Église. Qu'est-ce que représente la fièvre aujourd'hui? Bien, écoutez, je ne sais pas si tu as déjà eu la fièvre. Je pense que nous tous ici, nous avons déjà eu la fièvre. Eh bien, mais quand tu as la fièvre, frère, tu ne peux plus bouger. Tu es inactif. Alléluia. Mais sur tous les symptômes, c'est quoi? Tu transpires. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, l'une des choses que la fièvre va te faire sortir, la fièvre va te faire sortir quoi? L'eau. Dans ton corps. Que Dieu vous ouvre les yeux. Écoutez, Jésus suspendu sur la croix, il ne pouvait pas mourir directement. Mais il a fallu qu'on lui perce d'abord le côté, et la Bible dit quoi? C'est là où l'eau est sortie. Après que l'eau soit sortie, Jésus rendit l'âme. Tant que l'eau était encore là, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en jeûne et prière, mais tant que tu bois de l'eau, tu peux résister. Mais quand tu perds l'eau, oh, il s'avère que le corps de l'homme est composé de 70% d'eau. Et quand tu perds l'eau, tu deviens faible. Et c'est cette faiblesse qui va faire que tu deviens inactif. Tu restes là, dans la couette, comme le Dieu de la couette. Et là aussi, justement, a retenu beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez bravé le froid. Amen. C'est ce que nous allons vivre dans les années à venir. L'Église pourrait devenir comme l'Église catholique. Tu vois un super beau bâtiment, si grand, avec 5 personnes seulement. Mais bénissons les Seigneurs, que là où 2, 3 sont venus en son nom, Dieu est présent. Alléluia. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Quand tu as la fièvre, tu perds l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que l'eau qui sort dans ton corps fait semblant de goûter cette eau-là. Tu vas constater que dans cette eau-là, il y a aussi les pourcentages du sel. C'est pas pour rien, bien-aimé, que vous voyez quand une personne est en train de pleurer, elle-même se console par la suite. Elle parle, elle pleure, et après tu entends. Ça ne fait rien. Qui est en train de le calmer? C'est même pas le pasteur. Elle-même. Pourquoi? Parce que l'eau qui est en train de couler dans ses yeux, l'eau est salée. Or, quelque chose qui est salé adoucit le... Alléluia. Dieu sait faire des choses. Il savait qu'il n'y a personne parfois pour te consoler. Il te donne des larmes pour que toi-même tu te consoles. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, parfois quand on parle, les dents mordent la langue. Ça ne vous arrive pas?
Si, si, amen. Mais jamais tu vas voir la langue va se révolter, va dire, hey, non, arrête de me faire du mal. Jamais. Les deux sont toujours ensemble, en train de marcher ensemble. Au contraire, l'autre a besoin des animaux pour que l'autre puisse courir les animaux. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et donc la fièvre, il y a deux choses. La première des choses, c'est que tu perds d'abord de l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que l'Église a la fièvre, et une fièvre sérieuse. La Bible parle d'une violente fièvre. Et le problème de l'Église, c'est ça. L'Église a une fièvre, une violente fièvre. Et cette violente fièvre entraîne que tu puisses perdre de l'eau. Et bien aimé, l'eau est l'image de la parole. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la fièvre, tu vas perdre de l'eau. Mais que représente la fièvre? La fièvre, c'est tout ce qui est en toi qui t'empêche de s'élever et de servir Dieu. Parce que pour mieux comprendre ce texte, il faut lire à la fin. La Bible dit qu'elle se leva et elle servit. Pourquoi elle ne s'était pas levée? Pourquoi elle ne servait pas? C'était à cause de la fièvre. Donc la fièvre qui t'empêche de servir Dieu, la fièvre t'empêche de s'élever et de travailler dans une dimension très dynamique pour la gloire de Dieu. Et l'Église, n'est-ce pas, a la fièvre aujourd'hui. Tu as perdu l'eau. L'eau est l'image de la parole. À cause de la fièvre, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu n'as même plus d'intimité, de temps de méditation de la parole de Dieu. Combien d'entre nous attendent seulement le dimanche pour venir ouvrir la Bible? Semaine après semaine, combien d'entre nous, bien-aimés, attendent seulement le dimanche pour venir ouvrir la Bible? Dieu avait dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Mais toi, tu attends seulement à l'église. Et quand il y a un débat entre chrétiens, tu ne peux pas discuter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Pourquoi tu n'as pas la connaissance? La fièvre. La fièvre fait que tu ne puisses plus avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est à cause de la fièvre qu'à l'église, aujourd'hui, on n'arrive plus à adorer. Or, pour adorer Dieu, c'est la connaissance de la parole. Ça ne peut qu'être très bien, ma fille. La fièvre. Quand tu n'as plus, tu perds l'eau. Mais quand tu perds l'eau, tu perds aussi la connaissance. Or, un disciple qui n'apprend pas, c'est un disciple qui est en train de mourir. Alléluia. Hier, j'étais ici avec les enfants aux affermissements. J'étais en train de leur dire que, regardez, nous sommes au centre d'espoir chrétien. Amen. Nous, c'est le CFC. Tu viens au CFC, tu peux ou ne pas aimer. Oh, l'église en question, il n'y a pas même beaucoup de gens. Oh, l'église en question, ah non, il n'y a même pas même des écrans comme aussi chez les autres. Ah, l'église en question, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Tu vas aller chez les autres. Ambiance grave, grave, grave. Alléluia. L'ambiance, tu sautes. Oh, oh, alléluia, Jésus. Tu peux sauter Jésus, mais ça ne veut pas dire que Jésus est avec toi. Amen. Chez les autres, oh, incroyable, mes frères. Amen. Et j'ai dit aux enfants qui étaient là, que le Saint-Esprit ne crée pas l'ambiance. L'ambiance, ce sont les hommes qui le créent, tout simplement. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire agiter les gens. Lui, il est là pour t'utiliser pour la mission pour laquelle Dieu t'a donné. Il n'est pas là pour te faire un agitateur. Non, l'ambiance, ça se crée par les hommes. Donc, c'est, tu peux créer ton ambiance à ta marque à toi. Amen. Pourquoi nous ne voulons pas partager la salle avec les autres alors que beaucoup me demandent la salle? C'est l'ancienne qui me disait, ah non, apôtre, ça ne peut pas aller. Ancienne, on a du mal à payer la salle, pourquoi ne pas partager? Non, 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 je refuse.
Et maman aussi a refusé, tout le monde a refusé. Pourquoi? Parce que celle-ci a ses habitudes. Laquelle? Après culte, il faut qu'il y ait un septième culte. Vrai ou faux? Vrai. Et curieusement, on passe plus le temps au septième culte qu'au culte normal. Ce n'est pas mauvais, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas toute la semaine. Il n'y a que les dimanches qu'on se voit et on partage le pain ensemble. On a nos habitudes. Alléluia. Et ça fait partie de notre marque. Et d'où? Parce que si on va faire deux cultes, partager plutôt la salle avec l'autre, ça veut dire que je dois speeder, parler très vite, louer très vite pour laisser la place aux autres. Et on ne sait pas aussi les autres quand ils vont venir, est-ce qu'ils vont même bien entretenir la salle aussi, on ne sait même pas. Alléluia. Et celui qui va monter ici, qui va faire quoi? On ne sait pas de quel esprit il est possédé. Et donc le matin, moi, Brice, je vais venir, bim, je tombe. Le pasteur était possédé, alors que c'est ça. Les autres qui avaient laissé l'esprit là. J'aurais pour moi des problèmes pour rien. Et vous savez déjà, pour un rien, des gens polémiques. Et là, on ne va pas chercher à intercéder pour moi, on va faire partir le téléphone. Voilà. Allez, réseaux sociaux, regardez le pasteur Jean-Brice, il est tombé. Je suis pour rien. C'est la fièvre qui était passée par là. Alléluia. La fièvre, bien-aimé. Oh, quand tu n'as plus la parole, quand tu n'as plus l'eau, tu n'as plus d'intimité avec Dieu. L'une des raisons fondamentales qui te pousse d'aller plus dans la présence du Seigneur, c'est par la connaissance que tu as. Bien-aimé, je vais te choquer. La plus grande crise de l'homme, ce n'est pas la crise économique que nous avons appris à l'école. La plus grande crise de l'homme, c'est la crise identitaire. C'est la crise identitaire. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que je suis un enfant de Dieu et quels sont tes droits, tu es en train de passer à côté. À cause de l'ignorance, tu peux passer à côté. Amen. C'est pourquoi quelque part j'aime ce fils-là, l'enfant perdu. Oui, le perdu là, l'enfant prodigue. Quelque part aussi je l'aime bien. Oui. Non, c'est parce que non seulement rentrer en dedans de lui-même, mais il connaissait ses droits. Papa, donne-moi ma part. Il connaissait ses droits. Amen. Oh, toi et moi, on est chrétiens, matin, midi, soir, année après année, tu ne connais pas tes droits devant Dieu. Parfois, fais tes révoltés devant Dieu. C'est pas pour rien, il a dit réveille ma mémoire. Réveiller ma mémoire, ça veut dire rappelle à Dieu ce que je t'avais dit autrefois. Amen. Alléluia. Tu dois rappeler à Dieu. La Bible dit que les disciples l'ont quoi? Réveillé. Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Parce que c'est toi qui m'avais dit un jour que tu es pierre. Et sur cette pierre, je battrai. Réveille-toi. Il est en train de rappeler. Alléluia. Ne soyez pas trop spirituel, bien-aimé. Cet enfant a demandé ses droits. Donne-moi ma part. Mais le problème, c'est mon du petit. C'est qu'on ne demande pas la part tant que le papa est encore vivant. Alléluia. Tu veux l'héritage, mais l'héritage, ça t'obtient une fois que papa est mort. C'est là que tu prends maintenant. Petit, c'est bien, mais tu as anticipé trop vite. Attends l'heure. Le moment viendra. C'est pourquoi le grand frère était triste. Pourquoi? Parce que tu as fait une fête. Non, mon fils, je ne fais pas la fête parce que, mais je fais la fête parce qu'il était perdu, mais il est revenu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir la joie que ça fait. Alléluia. Quand une âme quitte le monde pour s'attacher à Dieu. Amen. Il y a une fête dans les ciels aussi. Amen. Et l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'eau, tu as la fièvre. Amen. C'est l'eau qui a l'origine. Quand tu n'as plus d'eau, ça va entraîner automatiquement la fièvre. Et quand tu as la fièvre, bien-aimé, c'est pourquoi un jour, Jésus, pour tester cette femme, va demander à cette femme, donne-moi un peu ton eau, là. Et la femme va lui dire, oh, mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritain, tu me demandes de l'eau. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que Jésus-Christ demandait de l'eau ici, non pas en tant qu'un Dieu, mais en tant qu'un homme. Parce qu'un homme normal doit avoir soif. Alléluia.
Vous savez, à peine hier seulement, j'étais en train de réfléchir. Hier soir, la nuit, vous savez, moi, j'ai toujours... je me réveille toujours très tôt, là. À chacun sa façon. Amen. Alors, j'étais en train de... Au lieu de penser aux vraies choses, j'étais en train de penser à Jésus. Bon, ce n'est pas que vraies choses, c'est au contraire, les vraies choses. Mais quand j'ai dit j'étais en train de penser à Jésus, maman, c'est-à-dire que j'étais en train de penser à Jésus, je dis, non, Jésus aussi, on lui faisait porter des couches. Donc Jésus aussi, il partait à la douche, il se lavait. Donc Jésus aussi, mais effectivement, c'était un être humain. La Bible dit fils de l'homme. Amen. Parce qu'il fallait qu'un homme vienne sur terre pour nous sauver, parce que c'est un homme qui nous avait fait perdu dans le péché. Donc il ne pouvait pas venir sous une forme d'un ange. Il fallait venir aussi sous une forme d'un homme. Amen. Un homme a péché, vous a enduit dans l'erreur. Il faut qu'il y ait aussi un homme pour venir vous faire sortir de là. Et effacer tous vos péchés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'ai voulu être justement au mariage de Cana. Pour voir un peu comment... C'est extraordinaire. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez, au mariage de Cana, les gens viennent à la fête. Ils viennent pour boire. Alléluia. Ils viennent pour boire, pour manger, pour faire tout. Amen. Mais Jésus, non seulement il vient pour boire, mais il vient encore pour multiplier. Et bien aimé dans le Seigneur, il y en a peu qui le font. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai envie de te dire, aie l'intimité au travers la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole, la connaissance de la parole, laisse-moi te dire qu'en tant que chrétien, tu es en train de prendre une mauvaise direction. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit, faute de quoi? Mon peuple fait quoi? Périt. Et la fièvre, quand nous avons la fièvre, nous perdons de l'eau. Amen. Et non seulement nous perdons de l'eau, j'ai dit tout à l'heure que l'eau est accompagnée encore, l'eau qui sort est salée. Ça veut dire que tu perds du calcium dans ton corps. Du calcium dans ton corps. Le sel, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds le sel et là, ça devient encore grave. Parce que, qu'est-ce que nous dit Matthieu 5, 13? Matthieu 5, 13 nous dit que nous sommes quoi? Le sel de la terre. Alléluia. Mais non, bien-aimé, à cause de la fièvre, tu perds non seulement la connaissance de l'eau, mais tu es en train de perdre aussi le sel. Maintenant, pour savoir le sel, c'est quoi? Qu'est-ce que le sel en a à voir là-dessus? Et tout. Regardons. Maman Chimène a l'habitude de le faire à manger ici. Bien-aimé, une nourriture qui manque de sel, elle deviendra combien? Fade. À cause de la fièvre, tu deviens fade aux yeux de la terre. C'est-à-dire que tu deviens un instrument inutile sur terre. Or, le sel a trois fonctions. Le sel donne de la saveur. Le sel conserve. Et le sel donne la soif. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne donnes pas la saveur sur la terre, il y a un problème. Le sel conserve. Conserve quoi? Laisse-moi te dire que les dons que Dieu t'a donnés doivent être conservés. Tu dois prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Amen. Et le sel, ça fait quoi? Ça fait que tu puisses avoir quoi? La soif.
Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous rappeler que Jésus-Christ à la croix, il a, avant de mourir, il a dit quoi? J'ai soif. Or, la soif dont on parle ici, c'est la soif de retrouver la face de Dieu. Quand tu perds le sel, tu perds la soif de venir dans l'intimité avec Dieu. Or, le monde, nous sommes le sel de la terre. Qui a créé la terre? C'est Dieu. Donc, ça veut dire que toi et moi, on doit donner la saveur à la terre. Mais il y a des païens qui vivent sur la terre. Si ces païens-là sont déjà de nature fade, si toi-même tu perds le sel, ça veut dire que tu deviens pareil avec les gens du monde. C'est à ce titre que Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que vous êtes pareil avec les gens du monde. Pourquoi tu donnes plus la faveur, la saveur? Et bien aimé dans le Seigneur, si tu ne donnes plus la saveur, si tu ne conserves pas ce que Dieu t'a donné, si tu n'as plus la soif, qu'est-ce que tu vas donner à l'église? Alléluia. Bien aimé, j'ai envie d'aller plus loin avec ces trois facteurs. Parce que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Mais le monde va longtemps attendre si toi tu as perdu la saveur. Parce que c'est toi qui dois donner le goût. Amen. C'est toi. On vient chez toi, toutefois c'est fade chez toi. Un enfant de Dieu, on donne normal là où tu peux. Là où tu vas partir, ou là où tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois changer l'atmosphère. L'atmosphère doit changer par ta présence. Amen. Mais aujourd'hui, on devient pareil avec les gens du monde. On ne connaît plus qui est qui. Alléluia. Je me souviens encore dans les années passées, Papa Gilles, je voyais des fous porter des vêtements déchiré et tout, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est à la mode, tous les vêtements sont déchirés. Tu te poses la question finalement, qui est fou, qui n'est plus fou? Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, le comble, c'est que les chrétiens aime tellement trop pirater maintenant les choses du monde pour le faire revenir à l'église. J'ai dit bien pirater. Je répète encore, pirater. Or, dans pirater, il y a raté. Donc, ça te dit que quand tu pirates toi-même, tu es en train de rater tout. Tu rates tout. Tu rates tout parce que tu ne fais que pirater. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il n'y aura plus de sel, je m'en vais te dire. Tu finiras par mettre le sucre dans la nourriture. Alors, le sucre va engendrer le diabète. Alors c'est encore grave. Et fièvre et diabète, tu es paralysé. Un chanteur disait chez nous, cadavéré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas le sel parce que c'est toi qui donnes le goût. Ma sœur, ne perds pas le sel, ça veut dire ne perds pas les valeurs de femme. Tu dois savoir une chose, que tu as le devoir et tu as le pouvoir. Amen, 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 amen. Quand tu perds le pouvoir, c'est grave. Entre parenthèses, dis d'abord pouvoir et devoir. La première des choses que la femme doit exercer avant d'aller rentrer au mariage, c'est le pouvoir. Et la deuxième des choses qu'elle va exercer dans sa maison, c'est le devoir. Maintenant, quand tu exerces le devoir, le pouvoir que tu avais avant là va te suivre. Et ce pouvoir-là, c'est pour te permettre de devenir une lionne. Pouvoir au début, pour mettre des limites. Parce qu'il y a des profitos qui assainissent. Il ne vient pas dans le but de t'épouser, c'est pour te gaspiller, tout simplement.
détruire ta vie. Or, le pouvoir fera que tu puisses mettre des limites. Non, 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 non. Un vrai homme qui veut honorer une femme doit aller l'ôter, se présenter. Alléluia. Chez nous, on dit, ferme la parcelle, va aller, va fermer ta parcelle. Amen. J'étais à la note de Quentin pas très longtemps. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Regardez même Quentin à noter. Alléluia. Non, mais sérieux. Non, mais, non, non. Oh, oh, j'ai comme l'impression que vous ne me croyez pas. Je vous dis la vérité que j'étais à sa note. N'est-ce pas, ma fille? Et s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'avais bien mangé ce matin. Amen. C'est l'unique manière. Amen. Et quand tu perds toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien. Tu es en train de perdre la saveur. Amen. Tu es en train de perdre la saveur. Et c'est grave quand une personne commence à perdre le goût. Quand tu es bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous dire, ce n'est pas pour rien que c'est important pour une femme de savoir préparer. Mais je vais encore ajouter encore des plus grands, des plus graves. Un homme aussi doit savoir préparer. Ce n'est pas écrit que l'homme ne veut pas préparer. Je sais que vous, les jeunes ici, tout ce que vous savez préparer, c'est les pâtes, les pizzas, les McDo. Non, ça, ça va me constiper. Je parle de la vraie nourriture. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous ici ne veulent pas nous inviter parce que du 1er au 30, c'est déjà du pré-préparé pour mettre seulement en micro-ondes, en réchauffe. Voilà. Je vous dis encore la vérité, je ne veux pas être constipé. J'ai envie de manger du bio, du vrai. Le poisson. Amen. Amen. À la braise. Alléluia. Avec le, chez nous on dit le pili-pili, c'est-à-dire le piment. Voilà. Avec le chikwang, si possible, même si je n'en mange pas, mais au moins ça, c'est du béton. Voilà. Alléluia. Et vous, on met un McDo. Tes premières rencontres, c'est un McDo. Et bon, je demande à ma fille, mon fils, vous êtes connu ou pas? Maman, c'est connu un McDo. Mais McDo, ça veut dire que quand je vais venir seulement manger des frites chez vous. Là. Alléluia. Ne perds pas la saveur. Donne le goût. Alléluia. Et conserve. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit nous a donné les dons. Bien aimé, c'est que Dieu te donne. Si toi tu n'en prends pas soin, c'est le diable qui va prendre soin. Tu dois conserver par le seul que Dieu t'a donné. Le but du sein, c'est de conserver. Tu dois prendre soin du don que Dieu t'a donné. Tu es un prédicateur, prends soin. Tu es chantre, prends soin de ton appel. Tu es diacre ancien, prends soin de cela. Bien aimé, chacun de nous sera jugé en fonction de l'onction qu'il a reçue. Et le sein te permet de conserver ce que Dieu t'a donné. Que j'aggrave. Prends soin de ton mari aussi. Le mari aussi est une forme de sel. Bon, on parle de l'égalité entre l'homme d'affaires. Prends soin de ta femme aussi. Pour bien équilibrer les choses. Alléluia. Maman, toi tu reviens du travail, tu reviens, je ne sais pas d'où. Le visage du vent formé. Bien aimé, donne le goût, maman, donne le goût, papa. Amen. Le mariage, c'est pas un problème de l'armée, c'est un problème du donna-donna. Tu donnes, moi je donne. Amen. Et tu viens avec ta colère, même tu laves des assiettes. Mais tu savais pas qu'au foyer on lave des assiettes. Tout, fais les choses avec joie. La Bible dit que. Ils font tout avec joie. Fais ton travail avec joie. Chante. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Tu laves, tu chantes. Mais non, les enfants, vous mangez, vous laissez. Enfin, j'étais en poubelle là-bas. Donc,
Le sel. Alléluia. Un désordre total. Tu vois les vêtements ici. Bien-aimé, réfléchissez deux fois avant de vous engager. Amen. Amen. Parfois, le papa est pour rien. Il est en. Là, tu dis Margaret Thatcher. Ah, mais je suis pour rien. Mais tu viens comme ça. Tu vois, monsieur. Mais papa, souris un peu. Et le plus souvent, les hommes, surtout quand ils n'ont pas mangé. Un regard bizarre. Mais papa, ce n'est pas une raison de ne pas accueillir ta femme. Mais tu pouvais aussi préparer. Amen. Attends. Oh. Jusqu'alors, il n'y a personne qui m'a béni. Que Dieu te bénisse. Je demande. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu vois des hommes, maman. Il sourit seulement quand tu commences à manger. Mais quand il n'y en a pas. Oh, toi. Et le plus souvent. Ah, tiens. Ah, Frédéric est là, elle peut bien m'aider. Je l'ai envoyé une image. Ah, ça, c'était extraordinaire. Monsieur et madame, comme on dit chez nous, palabre et palabre. Monsieur et madame, et tout. Et à un certain moment, le monsieur a dit. L'enfant qui demande, le monsieur dit, pourquoi tu nous appelles? Tu vois pas que moi et ta mère, nous sommes en palabre? Et madame, tu dis, laisse l'enfant tranquille, il a le droit de s'amuser. Les palabres, c'est pas avec l'enfant, c'est toi et moi. Alléluia. Ne mélangez pas. Et tout le problème, parce que maman ne voulait pas faire les devoirs. Allez-y comprendre quel devoir. Alléluia. Ça aussi, c'est un problème. Le sel est... Alléluia. Ça aussi, c'est un problème. Donne le goût. Conserve ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ça paraît la blague, mais laissez-moi vous dire que c'est des choses très sérieuses. Parce que quand nous perdons le sel, nous perdons l'ambiance de tout. Quand tu perds le sel, même ton foyer devient saveur, fade. Quand tu perds le sel, toi-même, tu es fade. Amen. Quand tu perds le sel, tu te sentiras fade. Amen. Et le plus grand danger, c'est qu'on est motivé pour se marier, mais une fois arrivé au foyer, tu penses que tout est acquis, alors que c'est là où le vrai travail va commencer. Alléluia. C'est là où le vrai problème va commencer. Un jour, maman, il n'y a pas de honte à cela, même si ça remonte. Il n'y a pas de honte à cela. Un jour, j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment fatigué. Et elle a dit, va te laver. Je dis, ah, maman, mais pourquoi tu ne pouvais pas même laver? Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était seulement la blague. Et je vois seulement maman. En train de me laver. Oh, c'était bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité que ce jour-là, j'ai failli parler en langue. Alléluia. Ça vous fait rire, alors que c'est des choses très sérieuses. Lavez vos maris, lavez vos femmes. Ce n'est pas la première personne que tu dois laver, c'est ton mari. Le premier que tu dois laver, c'est ta. Mais bien aimé. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Et regardez, il y a 90% des divorces. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le sel. Déjà, la parole était partie. fiston, que Dieu te bénisse. Voilà un bon fiston. Amen. On sent que ça rentre là. Amen. Fiston, tu mets encore du sel. Amen. Amen. Voilà. Et quand tu vas mettre du sel, maman va donner le goût. Amen. Et quand maman va donner le goût, tu vas voir que Aïna aura. C'est qui? Une petite soeur ou un petit frère? Tu veux qui? Tu veux une petite soeur ou un petit frère? Une petite soeur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu exauce ta prière. Amen. Regarde-moi, maman, regarde-moi.
Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité. 80% des foyers se divorcent parce qu'il n'y a plus de sel. Fade. Fade. Tout est devenu fade. Tu vis avec une belle femme, un bel homme, mais il n'y a plus rien dedans. Plus de saveur. Amen. Et aujourd'hui, la technologie a tout pris à place. Déjà, vous avez perdu la parole. La fièvre, la première chose qui perd, c'est l'eau. La parole. Et aujourd'hui, qui a pris la parole? C'est le téléphone. Amen. Et puis, plus grave encore, parfois on va te mettre des écouteurs. Une façon de dire, je ne vais pas t'écouter, quoi. Moi, j'écoute ça. Alléluia. Mettons du sel, donnant du goût, et conserve, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Et pour finir, bien-aimé, la troisième chose que la fièvre engendre, c'est que la fièvre n'aime pas la lumière. Vrai ou faux? Quand tu as la fièvre, tu ne peux pas supporter le degré de l'ampoule, la lumière. Tu vas voir que tu vas même diminuer la lumière. Parce qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, avec la technologie, tu peux même régler la lumière. Amen. Oh, Jésus a dit que non seulement nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Alléluia. Et bien aimé, si tu perds la lumière, ça veut dire que tu es en train de faire éteindre le don que Dieu t'a donné. Si tu perds la lumière, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Si tu perds la lumière, tu es en train de perdre la joie. Or, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. La lumière, bien aimé, ne perds pas la lumière. Un enfant de Dieu, quand il arrive à un endroit, s'il y a l'obscurité, à cause de sa présence, il y aura la lumière. Bien aimé, quand tu perds la lumière, les ténèbres n'auront plus peur de toi. Quand tu perds la lumière, le diable n'aura plus peur de toi. Quel est le contraire de la lumière? Or, Dieu lui est, or, le diable lui-même, il est quoi? Il est ténèbre. Il est obscur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la lumière, ça veut dire que tu es en train de marcher ensemble avec le diable sans pourtant le savoir. Tu es en train de dire, oh, wesh, wesh, alors que vous deux, vous êtes des wesh, wesh. Alléluia. Tu marches avec le diable sans pourtant savoir. Amen. Comme je le disais la fois passée, tu dis, oh, il est ouf lui. Ça, non, ce n'est pas seulement lui qui est ouf. Vous deux, vous êtes des oufs parce que vous n'avez pas la lumière. Tu es toi-même ouf. Amen. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit que Jésus menaça la fièvre. Maman, vous allez convenir avec moi, Papa Gilles, que si Jésus arrive à menacer une simple fièvre, cela veut dire que derrière cette fièvre se cache un esprit. Et Jésus n'est pas con, parce que Jésus sait que si je laisse cet esprit-là, il va prendre le dessus. Bien aimé, ce que toi tu prends à la légère, laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, c'est très important. La Bible dit qu'il menaça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois menacer ce qui te fait endormir aujourd'hui. Tu dois menacer cet esprit, n'est-ce pas, de négligence. Tu dois menacer la paresse dans ta vie. Parce que derrière ces petites choses, il y a un esprit qui se cache. Laissez-moi vous dire que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Parce que le but de la maladie, c'est pour te rendre inutile. La fièvre, quand tu as la fièvre, tu es inactive. C'est-à-dire que tu viens à l'église, mais tu n'es pas active. Tu ne contribues pas. C'est pourquoi, déjà la sœur Elodie, la pauvre, regardez, elle vient jaune, mais elle n'est pas rouge. Pourquoi? Adorez, adorez, adorez. Elle force alors que les pauvres, la pauvre, elle ne sait même pas que. Il y a un esprit derrière. Alléluia. Un esprit derrière. Et cet esprit-là,
ils n'ont plus de sel, ils n'ont plus de l'eau, plus la lumière. Tu vas faire, la peau va devenir rouge. Amen. Le jour que ta fille va venir, dès que je saurai qu'elle est déjà dans le ventre, je vais te dire, assieds-toi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'enfant là sorte avant le temps. Parce que devant des gens qui n'ont plus le sel, ni l'eau, ni la lumière, je m'en vais te dire que tu vas crier. C'est pourquoi tu vois, amenez la dîme, on va payer la salle. Oh, c'est pas, c'est pas ça le problème. Le problème, le frère n'a plus le sel, n'a plus de l'eau, il n'a plus la lumière. Une personne qui est consciente que moi je prie au CFC. Le CFC n'appartient pas à l'apôtre Jean-Brice, c'est un bâtiment, le tuit. Dans ma propre conscience, même si je ne donne pas ma dîme, je vais au moins donner 50 euros ou 100 euros pour contribuer au paiement de la salle. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas rendu obligatoire la dîme. Il a dit quoi? Apporter. Pourquoi il dit apporter? Il te laisse avec ta propre conscience. Amen. Si tu es conscient, donne. Amen. Mais si tu n'es pas inconscient, si tu n'es pas conscient, ne donne pas. Amen. Tu vois? Maintenant, quand tu donnes, c'est là où il vient maintenant dire, quand tu obéis, tu donnes. Maintenant, moi, je vais m'élever contre tes ennemis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un foncier, il ne te force pas. Il te laisse dans ta propre conscience. Amen, amen, amen. Et celui qui donne, c'est une façon de dire à Dieu, je te traduis ici ma reconnaissance. Parce que le travail là, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui m'as donné. L'enfant que j'ai, la Bible dit que les enfants, c'est toi qui donnes, c'est toi qui m'as donné. Et comme cet enfant-là fait ma joie, je te donne. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Le mari là, c'est mon... Le mari là me donne du goût là. Le sel là. Non, je t'ai béni à cause de... Ma femme Maman, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu prépares pour moi. Parce que même si je ne grossis pas, c'est moins grave. Je mange bien. Ma femme prépare bien. Hein? Hey! Elle prépare good. Alléluia. Et le fait de ne pas grossir, ça ne veut pas dire que je ne mange pas bien. Ah non. Ce que je mange, c'est parce que je cours beaucoup. Amen. Amen. Moi, je vais être wesh wesh. Mais en fait, la ligne, c'est pour conserver le sel que Dieu m'a donné. Amen. 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 Je n'ai pas envie de séduire tout le monde. Moi, c'est là où je vais séduire. Amen. Alléluia. Non, bien aimé, allez-y comprendre qu'il y a un esprit derrière la fièvre. Et cet esprit est méchant. La Bible dit que c'est cet esprit-là qui empêchait la belle-mère de se lever et de servir. Je m'en vais t'informer que la belle-mère de Simon, plus tard, était devenue l'un des membres de l'Église qui contribuait à donner et apporter à l'Église. Amen. Car la Bible dit que les femmes soutenaient beaucoup Jésus-Christ, le ministère de Jésus. Or, pasteur, papa Gilles, ce que Judas ne savait pas, c'est que Dieu savait, Jésus savait que Judas vole l'argent. Mais pourquoi Jésus le laissait? Parce que Jésus savait aussi que laisse-le voler, laisse-le prendre l'argent. Parce que pour Judas, il pense que Judas ne savait pas qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas dans le ministère, mais qui soutenaient le ministère. Et ces femmes, parmi ces femmes-là, il y avait la belle-mère de Simon. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus menaça. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus était en train de dormir sur une barque. La Bible dit que le vent et la tempête s'est levée. Ma Bible dit que Jésus s'est levé et il menaça le vent et la tempête. Pourquoi? Parce que derrière cela s'est caché quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé, derrière des petites choses que vous prenez à la légère, laissez-moi vous dire qu'un esprit peut s'installer. Amen. Si tu ne te lèves pas contre la paresse, la négligence, l'infidélité, si tu ne te lèves pas contre ça, si tu ne te lèves pas contre des petites choses, amen, même la ponctualité, là, si tu ne te lèves pas contre ça, du premier au 30, tu seras seulement en retard à l'église. Tout est question de discipline.
Comme tu es comme ça, tu vas voir qu'il y aura un esprit qui va venir s'installer. Et le jour que tu as un entretien, le diable va te montrer dans les songes que tu es déjà activé à l'endroit pour l'entretien alors que tu es en train de dormir. Et l'heure arrive. Hé, j'ai raté. Cet esprit-là était derrière. Amen. À l'église, pareil. Et là, c'est grave si tu es prédicateur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a menacé la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute forme de fièvre qui menace ta vie quitte maintenant ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, là où tu es tombé. Je ne sais pas là où la fièvre est en train, n'est-ce pas, d'agir dans le domaine de ta vie. Mais je prie ce matin que la fièvre te quitte maintenant, quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, quel que soit l'esprit qui est derrière. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que cette fièvre part maintenant, quitte maintenant ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible dit qu'à l'instant même, cette femme s'est levée. Toi qui étais endormi, toi qui étais endormi, toi qui étais endormi, j'ordonne maintenant que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la fièvre t'a fait endormir. La fièvre t'a fait endormir. Or, le diable vient que pour voler. Il vole à quel moment? Au moment où tu es en train de dormir. Mais maintenant, ma Bible déclare qu'elle s'est levée. Que chaque domaine de ta vie se lève maintenant ce matin. Comme la gerbe de Joseph. Qu'elle se lève maintenant ce matin. Qu'elle se lève maintenant ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui dort en toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui était endormi. Mais ce matin, tu peux t'élever. Ce matin, tu peux t'élever. Que chaque domaine de ta vie se lève. Que ce qui était courbé soit redressé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que tu peux t'élever. Qu'est-ce qui était endormi? Si ta vie spirituelle, tu ne priais plus, tu es devenu si faible, tu n'as plus de force, tu n'as plus de force, mais ce matin, tu peux t'élever. Tu n'arrives plus à faire 5 minutes à méditer la parole. Tu n'arrives plus à faire 10 minutes à méditer la parole. Tu n'arrives plus à prier 30 minutes. Mais ce matin, tu peux t'élever. Ma Bible dit qu'il a menacé la fièvre. Je menace tout esprit qui se cache derrière, qui apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui bloque ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace cet esprit qui, n'est-ce pas, t'empêche de s'élever dans une dimension de prière efficace. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit sa forme, quel que soit son nom, mais la Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit. Alors, j'ordonne. 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 Que cet esprit parte maintenant. Que cet esprit parte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ma Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant sache que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de cette paresse. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de cette déception qui a laissé une blessure intérieure et qui a provoqué une fièvre dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace ce matin à cause de la fièvre. À cause de la fièvre, tu es devenu inactif. À cause de la fièvre, tu ne fais plus tes affaires. À cause de la fièvre, tu restes sur place. Maintenant, j'ordonne que chaque pas que tu vas faire puisse être un pas où tu vas aller maintenant devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que chaque pas que tu fais. Hey, je suis en train de parler aux hommes de foi. Là où tu es, fais des pas sur place. Fais des pas sur place. Car la Bible dit qu'il s'éleva. Car la Bible dit qu'il s'éleva. Et quand tu t'élèves, tu marches. Hey, on faisait ce pas de marche. C'est un acte de foi pour dire que les choses vont maintenant se redresser. Oh oui, j'ordonne que les choses se redressent dans ta vie. J'ordonne que les
les choses se fassent maintenant dans ta vie. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ que ce qui était courbé puisse être maintenant redressé. Que la gerbe de Joseph s'élève dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant un redressement dans ton entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que quelque chose s'élève maintenant afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui était courbé, c'est que ce qui était endormi, que ce qui était endormi, que ce qui était endormi, se redresse maintenant, se lève maintenant dans ta vie. J'ordonne que chaque pas que tu feras puisse être un pas de distinction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes affaires reprennent maintenant, que tes affaires prennent maintenant une ampleur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était endormi, alléluia, se réveille, se réveille. J'annonce une lumière, j'annonce le sel, j'annonce la conservation, j'annonce le goût que tu puisses produire, que tu puisses produire, que tu puisses produire au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était endormi en toi se redresse maintenant, se redresse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que tu dors. J'annonce un réveil puissant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est levé et qu'il a commencé à marcher. Que tu te lèves maintenant, que tu marches, que tout obstacle qui se pose dans ta vie tombe maintenant. J'ordonne une bonne marche dans ta santé. Donc j'ordonne une bonne marche dans ta famille, une bonne marche dans tes affaires. Que Dieu élargisse encore la tente de ta vision. Que Dieu te donne un corps, un cœur plutôt, un cœur rempli de sel, de goût, de lumière, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible dit que nul ne peut venir devant ma face et repartir tel qu'il est venu. Aujourd'hui, j'annonce la lumière qui était éteinte dans ta vie s'allume maintenant. La Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin, qu'il brille maintenant dans ta vie, 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 qu'il brille maintenant. Il brille maintenant dans ta vie. Tu ne dois pas venir dans sa présence avec les mêmes attitudes. Tu ne dois pas venir dans sa présence comme tu viens avec des larmes. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui tu es en train d'activer. Tu es en train d'activer. Tu es en train d'activer. J'annonce une activation de sel dans ta vie. Une activation de lumière dans ta vie. Une activation de goût. Désormais tu vas porter le goût. Tu vas porter le goût. Tu vas porter le goût et que Dieu te donne l'option de prendre soin de ce qu'il t'a donné. De prendre soin de ce qu'il t'a donné au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna, Hosanna.
travers. Parce que tu nous as précédés dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos challenges, dans nos adversités. Parce que tu nous as précédés à Golgotha, oui Seigneur. Parce que tu nous as précédés dans le tombeau, tu nous as frayé le chemin. Alors nous sommes morts avec toi, nous sommes descendus plus bas que terre avec toi. Et nous avons ressuscité avec toi. Et par toi Seigneur, en toi et avec toi, nous avons vaincu l'œuvre des ténèbres. Nous avons vaincu la mort, on a vaincu l'obscurité. Alors nul ne peut se tenir devant nous tant que nous vivons. Alors peu importe Seigneur les tribulations, peu importe les tremblements, peu importe l'intensité de la fièvre, peu importe Seigneur la saveur qui s'en va, nous déclarons à l'agneau de Dieu, l'agneau qui a vaincu le monde, l'agneau qui a vaincu le péché, nous repositionnons aujourd'hui en lui. Oui Seigneur, parce que tu as vaincu. C'est alors que Jean dans l'éternité a pleuré, parce qu'il avait trouvé personne qui était digne. Personne ne pouvait ouvrir le livre de vie et le rompre les sceaux. Il s'est mis à pleurer. Mais une voix lui dit, ne pleure pas et regarde le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a triomphé. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il n'a pas vu un lion, mais il a vu un agneau comme immolé, donc un agneau qui était crucifié, un agneau qui était déjà mort, un agneau qui avait déjà payé le prix, un agneau qui nous avait déjà précédé. Alors nous, l'Église de Dieu, aujourd'hui, nous déclarons avec certitude et avec foi que tout est accompli. Tout est accompli dans nos vies. La loi de la mort n'a plus de pouvoir. La loi de la maladie n'a plus de pouvoir. La loi de la condamnation n'a plus de pouvoir. Quand l'agneau a triomphé, celui-là qui nous a donné sa vie, par sa grâce on a été justifié. Celui qui a fait de nous sel et lumière sur la terre. Celui qui a fait de nous ses témoins, celui qui a fait de nous ses parfums. Alors nous sommes dans l'allégresse ce midi, nous sommes dans la joie ce midi, parce que toute trace de fièvre a quitté nos vies. Nous sommes régénérés, nous sommes redressés, nous sommes revigorés, nous sommes fortifiés, nous sommes rétablis, parce que la santé divine est notre partage. La santé divine est notre partage. La restauration divine est notre partage. La guérison divine est ton partage. Je m'adresse à toi. La guérison divine est ton partage. La santé divine est ton partage. Le repositionnement divin est ton partage. Si tu t'étais éparpillé, si tu t'étais perdu, aujourd'hui le Seigneur te repositionne. Parce qu'il fait de toi sel et lumière sur la terre. Il te donne de la splendeur à la place de la poussière. Il te redonne de la couleur à la place de la poussière. Il te redonne de la saveur, le bonheur, la paix à la place de la douleur. Parce que Yeshua a triomphé pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons acclamer avec éclat. Acclame avec éclat. Acclame avec éclat. Acclame avec éclat. Alléluia. Vous savez, il y a parole et parole. Il y a message et message. Il y a certains messages, lorsqu'ils sont libérés, viennent nous repositionner. Amen. Il y a des messages qui nous repositionnent, il y a des messages qui nous boostent. Est-ce que tu as été boosté ce midi? Alors si tu as été boosté, tu vas le manifester, le traduire à travers tes pas de danse. Amen. Nous allons danser, célébrer le Seigneur en apportant dans la maison des trésors nos dîmes et nos offrandes. Alléluia, les chantres, soyez bénis.